Par exemple, l'Aquitaine arrive au sommet de cette pyramide, mais n'est que troisième en partant de la fin. Donc on peut dire que l'argent ne fait pas automatiquement le bonheur. Alors c'était un projet qu'on a préparé avec notre classe à partir du mois de mars. Deux heures par jeudi. Et donc voilà, on a choisi des sujets par groupe et on a cherché des datas et on les a mis sous forme graphique. Donc moi, mon sujet, c'était les mariages en France. Et on voulait savoir s'il y avait plus de divorces, moins de divorces, si le PACS était une bonne alternative et si elle était plus demandée par les Français. D'abord, c'est un projet qui permet de sensibiliser les élèves à la question de l'ouverture des données donc au public avec le développement des technologies du numérique. C'est également un projet qui permet aux élèves d'avoir un pied dans le monde du journalisme et de faire de la recherche d'informations et de la présentation de données et d'informations. Donc voilà, une éducation au numérique et également une ouverture sur le monde du journalisme, un métier qui est assez passionnant et qui peut intéresser beaucoup d'élèves au lycée.